Bon, ça y est, une nouvelle vidéo, encore une fois, troisième jour de vacances et toujours les galères. Donc là, on est dans le camping-car encore une fois. Là, je vous reprends donc dans ce nouveau vlog. On est l'après-midi. Et donc, du coup, Jérôme est parti chercher un nouveau chauffe-eau. Là, Sam ? Ouais. Il est parti chercher un nouveau chauffe-eau avec Jérôme. Donc là, on a toujours un ciel pourri en fait. Il pleut, il y a de l'orage, c'est la galère. Donc là, on a l'ancien chauffe-eau qui va pas, qu'on l'a mis dehors. Et là, Jérôme est monté dans la soute. Heureusement qu'il est pas gros, hein, cet homme. Et du coup, avec voilà. La lampe qui a presque plus de pile, là. Oui. On est ici pour tout réparer. Allez. Et ça va, t'as été vite là. Ça fait combien de temps que tu l'as monté? Bah attends, j'ai pas encore fini. Faut que je branche après la cheminée, c'est bon. La ventouse. Ça c'est bien le mettre. Ah, Jérôme, il fait trop froid. Il pleut, il fait froid. Et en plus c'est tout sale. Quand on rentre, on salit tout le camping-car. Là, on a pris un petit tapis avec nous pour essayer essuyer ces tout petits pieds là. Parce que là, c'est pas pratique. T'as pas des piles? Dans la lampe? Là, je crois qu'on a plus de piles non. Bon, même tous les abonnés, ils croisent les doigts, je pense, hein, chérie. Bah, franchement, regarde ça, toi. Il n'y a pas une petite lampe noire là-bas, en haut de la cuisine? Alors, attends, je vais voir ça. Ah, j'ai pas de lampe ici. Non. Peut-être regarder dans notre tiroir. J'ai rien du tout. Alors, je vais t'éclairer avec mon téléphone. Je vais donner à Patrick. Heureusement que Patrick est là pour nous. Ah, il faut les fracs à bras. Franchement. C'est mieux. Qui nous a accompagnés pendant plusieurs jours, Patrick. On a bien sympathisé et il a un très beau camping-car, ça faut le dire. Ouais. C'est chiant, c'est tôt. Ah, il fait pas beau. On nous a dit ce matin qu'il faisait très beau en Bretagne et qu'il fallait faire demi-tour. Ouais, si on nous a même envoyé une photo. Je sais plus la personne qui nous a envoyé une photo sur Instagram. C'était grand soleil en Bretagne. Ouais, si j'avais su, je serais pas parti de chez moi. Bon, là, du coup, c'est un peu le carnage. On a dû mettre tout ce qui est literie sur l'avant-siège, mettre le grand matelas là, le temps de réparer ce chauffe-eau. Là, on a fait 2-3 petites courses, j'étais chez Aldi, j'ai pris un gâteau au moelleux aux noisettes, apparemment ça a l'air super bon. On a pris l'apéro, voilà, parce qu'on croise les doigts, on a trop envie que ce chauffe-eau fonctionne, des madeleines et tous des petits trucs apéro, voilà, pour ce soir. Bon là, du coup, comme je vous ai dit, on a dû enlever notre matelas parce que il ne faut absolument pas que ça tombe sur la tête. Ben, pour réparer, ce serait bien. C'est bon, on a assez de problèmes là. Franchement. Qu'est-ce que ça dit? Moi aussi, ça va. Ça va? C'est parce que mon tuyau, il est vieux. Il m'embête un petit peu. Donc, t'as dû faire combien de kilomètres alors pour aller chercher ce nouveau chauffe-eau? Ben, 2 fois 122. Ah oui, quand même. Mais bon. Ça m'a coûté beaucoup moins cher. Donc en fait, on remercie énormément. C'est Jérôme, c'est ça, Jorlier ou je sais plus le nom. Alors je sais pas si c'est ton nom de famille ou si c'est un pseudo. On te remercie énormément parce que là, on ne sait pas si le chauffe-eau va fonctionner. Mais en tout cas, on croise les doigts. Enfin, du moins, on espère et on veut que ça fonctionne. Donc on te remercie énormément d'avoir pu rechercher ça pour nous parce que c'est vrai que nous, on n'a pas eu le réflexe. Et on s'est dit tellement que ça va pas, ben tant pis, on va le commander et puis on va en recommander un tout nouveau. Sauf que ben, finalement, c'est vrai qu'on préfère débourser 150 euros au lieu de 2000 euros, voire 1900 euros comme il était indiqué. Allez, bien, donc bien, bien. Voilà. On essaye, on croise les doigts. Moi je reviens de course avec Charlotte donc du coup je sais pas trop. Bon, de toute façon, ça c'est ce qui prend l'air. Je sais pas depuis combien de temps ils y sont dessus. C'est pour ça qu'on dit une ventouse. C'est comme une chaudière. Donc là il est branché. J'ai plus qu'à le remplir d'eau et après le mettre en route, voir si tout fonctionne. Il n'y a qu'une prise, bizarrement. Celle-là je sais pas trop. Je dois allumer le robinet là. Ouais, ici, le. Hop. Ah, c'est un peu tard. Hop là. Ouais, mais je sais ce que ça m'est arrivé la semaine dernière, c'est Jean Touruc. Il s'est mal mis. C'est Jean Touruc. Ça, c'est la merde. Mmh.
part de travers, ça, ça le fait pas. Ah bah oui, mais bon, en même temps, on n'a pas pris les outils. On a pris des serviettes, des chapeaux et des lunettes de soleil. Essaye de rallumer l'eau, d'abord. Deuxième essai, on rallume l'eau. Tu me dis stop ? Je peux laisser continuer ? On a laissé le robinet allumé, donc apparemment, c'est normal. Faut que l'air se vide pour... Ça, c'est des pièces d'occasion, ça. C'est des pièces qui peuvent vous concerner. Ouais, c'était des bonnes. Bon, ça va ? Croise les doigts ? Attends. Comment tu le sens ? Bon, bien. C'est vrai ? Ouais, je le sens bien. Moi. Bon, bah, j'espère que les gens derrière qui regardent cette vidéo aussi. Tiens, franchement, on a eu des bons retours, hein, chérie. J'ai remis concentré, c'est un peu normal. Ça ne fait pas partie de mes contraintes, mais plus de ce Jérôme. Tiens. Ah, tu l'as fait chercher. Oh non, surplus. Surplus. Ouais, j'ai gardé le mien qui était déjà avant. Je te le donne. C'est quoi tes fils là? Bah, celui-là, je sais pas trop le nom. Ça vient du chauffe-eau? Non, non. Non. Bah, ouais, avant, il s'était branché sur l'autre chauffe-eau. Parce que la sonde de température, elle est. Pas évident, hein, Patrick? Non, non, non. Je vais. Mais qu'est-ce qu'on fait pas pour économiser un peu? Oh punaise! Mais là, ça prend un peu, c'est beaucoup. Là, c'est que c'est pour dépanner avec une bouteille d'eau, c'est bon. Mais sur 15 jours, 3 semaines. Ah non, c'est pas possible. C'est un peu une contrainte. Surtout à 4. Ah, faut être souple, c'est clair. Bon. Vas-y, fais le beau tout de suite. Attends. Si j'aime pas le gaz. Non. On brûle, là. Il faut un quart d'heure pour avoir l'eau chaude, ouais. Un quart d'heure et une minute. C'est bon. Je vais démarrer. Alors ? C'est bon. C'est bon. J'adore. Ah la vache. Allez, chauffe. Maléfique. Merci à toi, Jérôme. Pouce bleu. Des gros pouces bleus, on veut. C'est clair. Et puis t'as pixel. Hein. Ouais. C'est chaud qui pleut là. Ah bah ça. Faut descendre, chérie, pour voir le soleil. Ou remonter en Bretagne. Tu peux laisser allumer le détecteur de gaz, ça se allume. Alors ça chauffe ? Dehors ça chauffe. Dehors ça chauffe. Ça mouille, mais ça chauffe aussi. Ouais, il pleut, mais au moins ça fonctionne. Ouais. Alléluia. Tu attends, hein ? Il n'y a plus qu'à remercier Jérôme, ouais, qui s'appelle comme toi en plus. Je vais l'appeler après. Hein. Oui, on va te contacter et comme ça on pourra te donner notre retour. Mais bon, apparemment, c'est bon signe. Bon, de toute façon, je vois rien. Je vois rien. Je me fais bien et je veux pas. C'est bon, il dort. Tu arrives. Le tuyau de chauffage. Hop, là c'est bon, il est dedans. Lui, c'est après j'ai une planche qui vient là. Tout de monter. D'ailleurs, tout est dehors. Voilà. Attends. Et là j'avais un coude, ça serait mieux en fait. Là, tu disais que tu n'avais pas besoin. Ouais, en fin de compte, ça peut me servir. Je verrai. Ça, c'est pas très important. Ça chauffe bien. Le plus simple, t'as fait 6000 watts. Hein. Oui, c'est d'après ce que j'ai compris. Nous, c'était un 4000 et celui-ci, c'est un 6000. Ouais. Magnifique. Magnifique. On peut être rassuré. Je vous avoue que là, j'ai le couillé, mais je suis contente. Bon, voilà les petites choses. Ah, c'est fini enfin. Donc là, je pars voir les petites distinguettes. Elles sont dans le haut vent là.
Je suis trop contente, ça marche. Là, ils sont en train de regarder encore quelques trucs. Donc franchement, super. Merci à toi, Jérôme, en tout cas. N'hésite pas à nous demander si tu as besoin d'infos. Mais je pense que Jérôme va t'appeler juste après. Donc... Et je fais peur à ce point? Alors, vous me présentez votre copine? Ouais, c'est Alice. C'est qui Alice? Elle, c'est Alice. Et moi, je me présente, je m'appelle Alice. Oui, bah toi, on te connaît.